supplémé Jean-Pierre, vice-président de l'association Waliapa. Donc, Waliapa est né d'une idée de 4 personnes, c'est-à-dire que 4 amis groupés. Donc, Geneviève Gamère, qui est la présidente, moi-même, le vice-président, Plumé Jean-Pierre, Aline Léon, la trésorière, et Lindsay Ludier, qui est secrétaire. Et il faut dire aussi que Aline Léon et Geneviève s'occupent de tout ce qui est sur le costume en groupe là. Et Ludier Lindsay, qui occupe de tout ce qui est orchestration, musique en groupe là. Donc, Waliapa, pourquoi Waliapa? Waliapa là-bas, c'est en étymologie caribéenne, ça veut dire voyage, voyager et voyage. Donc, ça veut dire que nous avons été en terme à commune à nous. Donc, nous avons un nom Waliapa. Donc, c'est un nom qui est d'origine caribéenne. D'accord? Et comme tous ces bonnes nous, couleur nous, jaune, rose voyage, vert clair. En fait, c'est couleur voyage, tout voyage, fruit voyage. D'accord? Donc, l'objectif de l'association, c'est de faire débouler la masse, on va dire groupe à peau. Donc, pourquoi groupe à peau? Parce que c'est philosophie, c'est ça nous décider. Et nous, si vous voulez, nous faire une association, une fusion avec un groupe. Je crois qu'il y ait 5 membres à Chiriban, je sais Coq Kassibi, Lénix Fortuné, et M. Dionès Boucal. Et il y a un cinquième monde qui nous joue, M. Constant Maris. Constant Maris, elle est Anastase Olivier. Donc, il faut se mettre des contrées. Et moi, ça nous mettait en œuvre fonctionnement à Waliapa. Donc, si vous voulez, travailler nous. Majoritairement, il est basé sur des boulets à masse. C'est à masse, basse à Saint-Jean, musique Saint-Jean. Et en dehors de ça, nous avons fait d'autres actions. Ça nous a fait tout ça qui est culturel, social, etc. Donc c'est que suite à Carnaval, le Carnaval a été fait, nous avons attaqué les actions, tout ce qui est social. D'accord? Donc, quand on dit ainsi, il y a pas encore, nous, quand on est à présent, environ 35 membres à jour de cotisation à eux, mais 77 plus adhérents, plus sympathisants. Donc sinon, l'Union locale basée à la rue de la Liberté, à Goyave. Et pour vraiment jouer nous, pour venir adhérer à dans Waliapa, il faut faire le 0690 63 14 95, c'est le numéro président là, Gamère. 0690 68 31 16, c'est le numéro au moins vice-président là. D'accord? Donc, il faut savoir que dans l'association, ni on change de bonne conduite, c'est très important. En cas de quand on fait des dépôts, surtout qu'on a beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants dans le groupe. Donc, il est important de faire ce qu'on appelle la charte de bonne conduite, qui comprend 14 groupes de recommandations. Donc, ça veut dire que c'est tout ce qui est autour du comportement, de la conduite au sein de l'association. D'accord? Et on a aussi. Pour l'instant, on a décidé de définir la Goyave, d'animer la ville de Goyave. Mais par la suite, forcément, on fera des sorties hors au Goyave. Pour l'instant, on est en pleine situation. Parce qu'il faut dire que le groupe existe depuis 3 mois. D'accord? Donc, c'est un jeune groupe. Donc, on est en pleine structuration. Donc, ce qui fait qu'on est obligé d'attendre un peu pour pouvoir aller à l'extérieur. Donc, au niveau des costumes, donc on a plusieurs costumes, parce que nous bien en l'arrêt dans le rituel. Donc c'est tout que l'histoire même à Massapo, c'est à la base. Je crois que Massa sont en fusion entre des mouvements à masse. À l'époque c'était Bona Tirene, Bona Mokafa. Et ça donne l'idée de rester en l'arrêt là. Donc nous disons ça que. Vous savez, on est Saint-Jean et on est Gossiro. Donc, Gossiro, ma chose, c'est un groupe Café Saint-Jean. Et à peu près, on coupe le café Gossiro, c'est beaucoup. Donc, je choisis de mettre en l'arrêt la Massa Saint-Jean. Pourquoi Massa Saint-Jean? Parce que, à la base, il débutait, tenir basse, tambour chant, mais au tenir solo. C'est un bouc en Akiyo qui introduit solo à dans masse. Et puis pour améliorer l'orchestration. Hein. D'accord? Donc, c'est un. Nous ne pouvons pas dans Timoun à Akiyo parce qu'Akiyo est le Timoun.
le Timon. Parce que tu ne peux pas dire c'est Timon qui est. Mais remarque que tous ces groupes qui ont commune là, généralement en commune, ce n'est pas Timon à Mas la Pointe. Donc c'est pas, il parle d'embauchement à marcher à Mas la Pointe. Parce que vous voyez qu'il y a tout cas décomposé. Nous ne pouvons pas dans ça. Généralement, les groupes en commune parlent d'organique dans Mas la Pointe. D'accord? Et sinon, nous allons espérer marcher nous rejoindre un bureau qui est le KMK, le collectif masqué civil, et qui a fédéré tous les groupes à peau de Guadeloupe. Donc voilà quoi. Et sinon, pour parler des costumes là, nous allons faire Madame Léon, Aline, parler de costumes là. Parce que nous faisons tous des costumes, et qui expliquent mieux qu'il m'en. Je suis Aline Léon, la trésorière de Waliapa. Pas seulement, je suis la trésorière, mais en même temps, je m'occupe plus ou moins des costumes. Et en tant que costume, ce dimanche, nous défilons en feuilles de banane. C'est le massa banane. Alors, le chapeau des jeunes filles est en feuilles de banane avec des oiseaux locaux. Hein. Ce sont les colibris faits avec les feuilles de cocotier. Nous utilisons les matériaux locaux au maximum parce que nous faisons une association culturelle et nous essayons de faire les jeunes utiliser au maximum les matériaux locaux. Donc, que puis-je te dire d'autre? Nous avons déjà défilé en couleur de canne. En couleur de canne, donc toujours en relation avec nos professeurs de canne. Nos premières couleurs ont été, notre premier défilé a été beaucoup de blanc avec le foulard Waliapa. Nous avons choisi le foulard Waliapa, voilà, c'est celui des garçons, nous n'avons pas celui des filles, il n'est pas là. Nous avons choisi les couleurs jaune, rose et vert, qui sont les couleurs de la voyage. Parce que je pense que Jean-Pierre t'a dit que c'est. Guayapa, c'est le Guayabé Savoya. Donc c'est notre ville de Guayab que nous essayons d'animer au maximum. Donc voilà nos couleurs. Donc le couleur de l'enfant est classique, mais celui des filles aussi, donc il est plus grand. Il a une autre forme, mais c'est la couleur du bon. Ce que tu as pu voir au niveau du drapeau. Donc nous étudions les costumes en fonction, on se réunit, il y a une ou deux, trois personnes, qui se demandent leur avis. Et nous décidons entre nous. Nous avons un prochain costume parce que notre prochaine sortie, nous la ferons, notre prochaine sortie officielle, hors de la commune. Nous présenterons la ville de Royal. Ben, nous représenterons la ville de Royal. Ça sera dans un défilé de groupe pour que nous ferons à Mornali. J'ai constaté que beaucoup de nos jeunes ne savent pas trop coudre. Donc, nos jeunes, nos adhérents vont se mettre aussi un peu à la couture. Hein. Donc on va être en couture. Et j'aimerais bien que d'autres personnes de Guayabe nous rejoignent. Ça sera plus le groupe est important, mieux c'est. Et puis en fait, c'est une animation de notre propre commune. Nous faisons toutes les villes de Guayabe. Quand nous défilons, nous faisons toutes les villes de Guayabe. Voilà une jupe Waliapa avec nos couleurs, les feuilles de banane. Bon, c'est la manière de que Waliapa présente ses feuilles de banane parce que plusieurs groupes les présentent de différentes façons. Nous les présentons de cette façon. Je n'ai pas. Ça, c'est le chapeau coupeur de canne pour les filles. Garçons et filles.